Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous nous avez accompagnés durant l'année 2016 qui s'est achevée. Merci de nous renouveler votre confiance, mesdames et messieurs, au cours de cette année qui commence aujourd'hui, 1er janvier 2017. J'ai le plaisir de vous présenter le tout premier journal sur les antennes de Numérica Télévision. On va le faire comme on en a l'habitude, avec beaucoup de professionnalisme. Mais laissez-moi vous souhaiter une très bonne année à tous. Bienvenue à cette édition de dimanche consacrée à la rétrospective de l'actualité de la semaine, consolidation de la paix, sécurité et stabilité politique, trois défis majeurs qui s'imposent à nous pour l'année 2017. C'est le président Joseph Kabila qui trace dans son traditionnel message de vœux à l'occasion du nouvel an. Il appelle les acteurs politiques au sens de responsabilité. 2016, les lampions se sont éteints comme au centre interdiocésain. Un accord a finalement été signé entre signataires et non-signataires de l'accord du 18 octobre 2016 après 22 jours de négociations laborieuses sous l'égide de l'Église catholique. Le nouvel accord prévoit que Joseph Kabila reste en fonction jusqu'à l'installation du nouveau président élu au plus tard en décembre 2017. Le Premier ministre sera désigné par le rassemblement. Merci de suivre ce journal qui reçoit comme invité Jimmy Mukendi pour être complet sur cette question politique. Il est le tout nouveau secrétaire général de l'UDPS Kibasa Maliba. Il va commenter l'actualité avec nous. Jimmy Mukendi, bonsoir. Bonsoir Rachel. Très bonne année à vous. Merci à vous aussi. Alors, secrétaire général de l'UDPS Kibasa. Secrétaire général adjoint. Adjoint, il n'y a pas très longtemps, journaliste. J'étais élu hier. C'était hier que j'étais élu. Journalisme en politique, pour vous, il n'y avait qu'un pas à franchir. Ben oui, parce que le journalisme amène à tout aussi, comme on le dit, mais aussi on a abandonné le journalisme il y a plus de 5 ans, mais parce que nous avons fait un travail qui était très remarquable. C'est pour cela que les gens ont toujours cette image. Je me dis toujours, pour les grands qui sont passés avant nous, par exemple à la chaîne nationale, on a toujours l'image de ce Koudoura présentateur, on a toujours l'image de cette Chantal Kanimbo qui présente, tu vois. Donc ça donne ça quand vous êtes journaliste, vous faites autre chose. Les gens vous ramènent toujours à ce que vous avez fait parce que vous avez quand même marqué votre époque. Mais moi, je ne le fais plus il y a 5 ans. Et désormais, je suis politicien, j'étais candidat. En 2011, il n'y a pas eu des élections. Et puis voilà. On parle de renouveler la classe politique. Et donc, merci d'ouvrir donc le bal, des invités sur les antennes de Numérica Télévision pour l'année 2017. C'est un plaisir de retrouver cette maison qui m'a aussi donné ce que j'ai aujourd'hui comme atout sur le plan journalistique. L'école de Jean-Pierre Kibambi, ce n'est pas petit. On va se passer un peu de protocole, mesdames et messieurs. Comprenez que c'est le premier journal de l'année. À la fin de cette édition, un clin d'œil à toutes les personnes qui nous suivent et qui nous sont fidèles. Mais d'abord, place à l'information. 2017 s'annonce comme une année de grands enjeux en République démocratique du Congo. C'est le président de la République, Joseph Kabila, qui l'a dit dans son traditionnel message de vœux à l'occasion du nouvel an. Selon lui, trois défis majeurs s'imposent à nous. Il s'agit d'abord de la consolidation de la paix, de la sécurité, mais enfin de la sécurité, de la stabilité politique. Joseph Kabila appelle les acteurs au sens des responsabilités. Il promet qu'il va s'assurer que chacun fera sa part. Je vous propose ici de suivre le président de la République, Joseph Kabila, dans cet extrait sélectionné pour vous par Félix Ilunga et Carlos Pacasa. Mes chers compatriotes, l'année qui s'achève aura été marqué par plein d'embûches, de preuves et de complots à répétition. À l'aube de l'an 2017, beaucoup de sacrifices ont été encore consentis, de morts déplorées à l'issue de violences gratuites, mues par la crise de responsabilité au sein de la classe politique et des ingérences étrangères illicites. Voilà pourquoi mes premières pensées vont d'abord vers ceux qui,
en ce moment festif, endurent des souffrances dans leur chair, dans divers centres de santé et hommes de retraités. Et à ceux qui, parmi nos êtres chers, nous ont quittés dans diverses circonstances durant l'année. Spécialement ceux de nos compatriotes tombés sur divers champs d'honneur, en train de protéger l'intégrité territoriale, la paix et la souveraineté nationale, afin que notre pays survive en tant qu'État indépendant dans le concert des nations. Chers compatriotes, pour l'an 2017, fort du consensus issu de l'accord politique pour l'organisation d'élections apaisées, crédibles et transparentes, et tenant compte des efforts de compromis engagés par les évêques de la Cinco, 2017 s'annonce comme une année de plusieurs enjeux. Trois défis majeurs s'imposent à nous. Il s'agit respectivement de la consolidation de la paix, de la sécurité et de la stabilité politique, la reprise de la stabilité économique et monétaire et de la poursuite sans désemparer du processus électoral déjà engagé, avec en toile de fond l'organisation des élections attendues conformément au calendrier de la CENI. À ce sujet, maintenant que d'aucuns ont expérimenté les limites et les dérives de la stratégie d'appel à la violence, et que tout le prétexte aux complots divers contre la République sont ôtés, j'en appelle au sens de responsabilité de chacun et à l'engagement sincère de tous. Jimmy Mukendi, vous avez suivi le message de vœux du président de la République à la nation. Trois défis majeurs, la sécurité, entre autres, le processus électoral. Est-ce qu'on peut finalement s'attendre cette année à la réalisation, à la matérialisation de tous ces vœux? Pourquoi pas avoir de l'espoir? Pourquoi pas avoir de l'espoir? Mais ce qui est vrai, c'est que cette affaire d'élection, nous pensons que c'est une affaire de volonté politique. Comme l'année passée, quand nous sommes entrés en 2016, on se dit que c'était une année électorale et nous savions que nous aurions les élections à tout le niveau, c'est-à-dire les élections présidentielles, les élections provinciales et municipales, ce qui ne s'est pas fait. Pourquoi? Nous tous, nous le savons, qu'il y a eu ce manque de volonté politique pour pouvoir organiser les élections auprès de la population. Parce que certains de nos politiciens, on l'estime, n'étaient pas prêts pour réaffronter leur base et leur dire quoi que ce soit pour se faire réélire ou élire. Donc c'est ça le vrai problème. Et nous espérons, par rapport au message du chef de l'État, par rapport aux élections pour cette année, 2017, c'est l'année de tous les enjeux. Mais aux politiciens, nous devons demander cette volonté politique d'organiser les élections. Parce que nous savons comment est-ce que ça se bloque. Il y a une volonté politique, mais en même temps, organiser les élections, on n'a plus beaucoup de temps. Le temps ne joue pas vraiment en notre faveur parce qu'il nous reste combien, disons, 11 mois pour organiser les élections. Il faut consolider la paix, il faut stabiliser finalement la vie politique. Tout ça en une année, est-ce possible? C'est possible dans la mesure où... Avec quel budget? C'est possible, madame, parce que les élections... D'abord, avant l'organisation des élections vers les années 2006, c'était presque impossible dans nos têtes à voir tout ce qui s'est passé lors de la conférence nationale souveraine et tout ce qui s'est passé après, des tractations politiques, des négociations par-ci, par-là.
il était difficile de croire aux élections ou à la réalisation des élections dans notre pays. On a vécu les élections, quelle que soit la manière dont ça s'est passé, mais nous avons vécu les élections dans ce pays. Il y a eu des gens qui ont été élus. Et en 2011, il suffisait de cette volonté pour que les choses se passent mieux. Et aujourd'hui, en 2017, nous demandons à tout le politicien, signataire ou non signataire, d'avoir la volonté d'aller affronter le peuple. Parce qu'on ne peut diriger le pays que par les quitus du peuple. Surtout qu'on est en démocratie. Et finalement, un accord a été trouvé hier soir à Kinshasa après des négociations laborieuses sous l'égide de l'Église catholique. L'opposition et la majorité ont signé l'accord qui va gérer la transition de 12 mois jusqu'aux élections prévues en décembre 2017. Accord signé, mais un arrangement particulier. On est encore à déterminer. Cela représente un premier pas vers une sortie de crise, mais n'augure en revanche peut-être pas la fin du feuilleton. Reportage. 22 jours des négociations sans relâche, la détermination de toutes les composantes et la perspicacité de la SENCO ont payé. Un affrontement dans la douleur, la césarienne, dit le président de la SENCO. Les délégués se sont mis d'accord pour l'accord devant consolider la démocratie en République démocratique du Congo. En clair, Joseph Kabila reste président de la République jusqu'à l'élection du nouveau président. La primature au rassemblement, élection, 3 scrutins en décembre 2017, élection présidentielle, législative et locale. Le comité de suivi sera dirigé par Étienne Tshisekedi. Pas de révision constitutionnelle le temps de la transition. Les mesures de décrispation en pleine exécution. L'opposition y voit une route ouverte vers l'alternance. Ah, mais c'est un grand cadeau pour le peuple congolais. Je peux dire aujourd'hui que cette année qui va commencer sera une bonne année sur base de cet accord que le peuple congolais vient de se donner. Grâce à la volonté de Moïse Katumbi de trouver une solution, il n'a pas constitué un obstacle à la recherche de la solution et nous avons pu trouver, je crois, quelque chose qui est accommodant pour tout le monde, mais ça c'est grâce au dépassement de certaines personnalités. C'est pas un sacrifice, c'est un devoir et la fierté de l'avoir accompli. Nous avons sauvé quelque chose. Vive la République démocratique du Congo et bonne année à tout le monde. Voilà ce que nous disons. Pas de révision de la Constitution, pas de nouvelle Constitution. Nous restons avec la Constitution de 2006 et tout cela a été acquis ce soir. La majorité a signé l'accord sous réserve. Ramazan Ishadari explique. Malheureusement, même si l'accord est signé, il y a quand même une inquiétude qui demeure. Parce que nous sommes venus ici, sous les bons offices de la SENCO, pour avoir un accord inclusif. On a dit que l'accord de la Cité de l'Union africaine n'était pas inclusif. Celui-ci également nous met dans une inquiétude importante. Quelles sont ces inquiétudes? Parce que il nous semble qu'il n'a pas également été inclusif du fait qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas signé l'accord, qui ont commencé avec nous les travaux, mais vers la fin ils ne sont pas satisfaits. Je cite ici par exemple le MLC. Ils sont nombreux. Ils ne sont pas d'accord, ils n'ont pas signé. C'est pourquoi nous demandons que dans les jours plus proches, que des personnalités, mais peut-être la SENCO ou une autre composante, l'église protestante ou les musulmans, pourquoi pas, fournissent des efforts importants pour ramener nos frères et sœurs à signer cet accord-là. Le chronogramme de la mise en œuvre de l'accord sera examiné dans une commission mixte à partir de ce lundi. L'accord est signé sans finalement le MLC et une frange des opposants qui ont pris part aux discussions de l'Union africaine. Doit-on parler de l'inclusivité? La question a été posée à Félix Tshisekedi Tshilombo, chef de la délégation du rassemblement aux discussions du centre interdiocésain. Je vous propose de le suivre. L'accord est inclusif. Je crois que le MLC reviendra de bons sentiments parce que on nous avait annoncé la présence d'un de ses représentants. Je pense que ça doit être un problème d'organisation tout simplement et que le MLC nous rejoindra parce que ce
ce que nous avons fait aujourd'hui le concerne aussi. Oui, mais il y a un Conseil national qui est d'accord, d'une part, et je crois que la CINCO ne nous abandonnera pas et continuera par ses précieux conseils et recommandations, ainsi que la communauté internationale. Donc je suis sûr de l'aboutissement heureux de cet accord, parce que je souhaite que le peuple aussi, dans son entièreté, qui est le souverain primaire, nous accompagne chaque jour jusqu'à l'aboutissement de l'accord. Secrétaire général adjoint de l'UDPS Kibasa Maliba, Jimmy Mukendi, doit-on parler de l'inclusivité de l'accord du centre interdiocésain? L'inclusivité, il n'y a pas eu. Ça, nous devons le dire. Mais laissez-moi quand même saluer cet accord, parce que pour une fois, le Congolais ont accepté de se mettre ensemble, pas d'aller ailleurs, mais de rester ici au Congo. Je prends le cas de l'accord du 18 octobre et l'accord du 31 décembre d'hier. Les Congolais se sont mis ensemble ici au Congo. Et dans le cas d'hier, ce sont les Congolais sans intermédiaire ou sans qui est quelqu'un de l'extérieur comme facilitateur. Pour une fois, on s'est fait confiance mutuelle. Ce sont des choses à encourager. Mais nous ne devons pas rester là. Nous devons quand même chercher... L'accord de l'Union africaine ne démérite pas non plus. Oui, ça, je le dis, c'était justement pour louer le fait que les Congolais doivent toujours se mettre ensemble pour chercher les solutions pour les problèmes des Congolais. Mais, à vrai dire, cet accord, à notre avis, n'est pas inclusif. Dans quelle mesure? Écoutez, Madame Rachel, aujourd'hui, il y a eu cet accord de 18 octobre, avoir le nombre de gens qui ont signé et avoir le nombre de personnes qui ont engagé toute une nation hier, il y a quoi redire. Il est vrai qu'il y a certains d'entre eux qui ont reçu mandat, certains d'entre eux sont ignorés par les autres, mais nous devons le savoir qu'il y a beaucoup de plateformes politiques, qu'il y a beaucoup de partis politiques. Ça sera quoi la conséquence? Ça sera quoi la conséquence? Ça sera retarder la mise en application de l'entrée en vigueur finalement de l'accord, par exemple en ce qui concerne la formation du gouvernement. Puisque, non, mais ce qui est malheureux, c'est que certains politiciens ne nous disent pas tout. Alors, pourquoi le MLC, par exemple, selon vous, ou ceux qui sont dans le gouvernement, les opposants qui ont pris part au dialogue de l'Union africaine, refusent d'apposer leur signature sur le document? Je ne peux pas parler au nom du MLC. C'est une question d'intérêt personnel, juste parce que on va perdre certains avantages, notamment quitter le gouvernement. Je ne peux pas parler du MLC, parce que je ne suis pas du MLC. Vous venez de me présenter, je suis de l'UDPS Kibasa. Et nous sommes dans la logique de notre plateforme Sauvons la Constitution, et nous tous, nous voulons assez que tous les politiciens puissent rester. Mais alors, pourquoi ne dans pas le cadre de côté, constitutionnel. Pourquoi ne pas mettre de côté certains préalables pour finalement signer l'accord et donner justement un document à la nation? Justement, il faut aller poser la question à tout ce monde qui, pour parler avec l'autre, nous devons nécessairement chercher d'ajouter des préalables en préalables. Mais entre ce qui temps, est l'accord vrai, va entrer en application. Non, mais attendez, l'accord ne va pas entrer en application comme ça parce que la majorité a signé sous réserve. On l'a écouté. On est en politique. La majorité a signé sous réserve et on nous a laissé entendre que l'accord devrait passer par le Parlement. Madame, nous avons des institutions aussi dans ce pays. Donc, il ne faut pas faire de choses pour plaire à certaines personnes, mais vous savez que nous sommes en train d'aller tout droit dans le mur. Nous sommes en train d'aller vers le chaos si nous ne faisons pas attention. Il faut regarder ce que les autres disent. Il y a Jean-Lucien Boussa qui a parlé l'autre fois. Il y a Emmanuel Chadari qui a parlé. Il y a Eve Bazaïba qui a parlé. Tout ce monde-là, il y a la société civile. Je ne parle pas au nom de tous ces gens-là. Mais je dis, nous aussi, l'UDPS Kibasa, nous avons notre mot à dire par rapport à tout ce qui se passe. Vous dites quoi? Mais si, s'il vous plaît, madame, mais si vous faites les choses du genre, parce que nous sommes retrouvés ici, tel poste revient à ceci, tel poste revient à telle personne, ce n'est pas une manière de résoudre le problème. À notre avis, nous disons, nous devons chercher la quasi-inclusivité de Congolais pour pouvoir chercher à résoudre ce problème
de la période que vous appelez transitoire, de la période que vous appelez intermédiaire, de la période que vous appelez, je ne sais pas moi, spécial, régime spécial. Nous devons tous parler et avoir le même langage pour qu'il y ait confiance. Sinon, le résultat de tout ce que les évêques ont fait va peut-être ne pas être accepté par la quasi-totalité de la population. Il faut faire attention. Et vous pensez à la mise en application réelle et au respect de cet accord? Ça veut dire qu'en décembre 2017, le peuple peut espérer aller aux urnes et se choisir des dirigeants. Je ne veux vraiment peut-être pas entrer dans l'accord, mais il y a des choses qui ont été déjà faites. Décembre, hein. 3 scrutins, c'est possible? Madame, je dis, dans tout ça, c'est un problème politique. Tout est politique. Et si les politiciens, aujourd'hui, se décident d'aller aux élections, nous allons aller aux élections. Mais la plupart d'entre eux ont eu une rupture avec leur base. C'est ça le vrai problème. Donc certains ne veulent pas aller aux élections? Non, pas du tout. Ça, c'est un faux fuyant. Je vous retrouve tout à l'heure. Et en réaction, le chef de la MONUSCO, Maman Sidikou, salue l'accord politique du centre interdiocésain de Kinshasa entre les signataires de l'accord du 18 octobre 2016. Mais... et les non-signataires. Dans un chapitre finalement de Nouvel An, on a célébré avec faste la Saint-Sylvestre au centre pénitentiaire de rééducation de Kinshasa. Le président de la République, Joseph Kabila, a remis un don des vivres et un générateur diesel et autres instruments de musique. C'est le vice-ministre de la Justice, Kyov Kola, qui a remis le don du chef de l'État. Témoin de l'événement, Myrthe Ekouba. Reportage. Des vivres, des écrans plasma, un générateur diesel ainsi que les instruments musicaux, autant des cadeaux remis aux détenus de la prison de Makala pour célébrer ce nouvel an. Un don du chef de l'État Joseph Kabila Kabangé. Le directeur de cette maison carcérale a saisi l'opportunité pour remercier le chef de l'État, père de la nation, pour ce geste de cœur. Par la même occasion, il a dressé son bilan qu'il qualifie de positif. Cette prison que vous voyez, c'est l'œil. Cette prison que vous voyez, c'est le miroir. Le chef de l'État, conscient de tout ça, nous a fait des grands cadeaux hier, inimaginables, madame. Donc le chef de l'État a pensé fêter avec nous. Et nous avons réceptionné les dons du chef de l'État, la nourriture, la boisson, l'équipement de musique, les écrans, et puis le groupe électrogène, et d'autres histoires ne sont pas encore venues. Même les produits pharmaceutiques. Donc nous sommes là en train de fêter comme vous à l'extérieur. Une ambiance hors pair a régné au Superca. Les bénéficiaires ont exprimé leur satisfaction. Bonne fête de Nouvel An 2017, la longue vie de prospérité. Vraiment, c'est notre président jeune. Il est bien, comme il a passé de nous, vraiment, les prisonniers, nous très contents. Vraiment, qu'il ne cesse pas passer à nous, mais qu'il puisse aussi nous libérer. Qu'il puisse aussi nous libérer vraiment parce que nous sommes devenus utiles à la société. Je remercie encore le chef de l'État, Nagnon Sassalé de Bisson, nous avons mon aïe, nous avons Pambola. Colis à Komela, ils ont un problème, ils ont un malade. Mais ils ont vraiment important. Vous connaissez encore pour Nabisson, ils ont la libération. Tel que qu'on nous a ravitaillé hier, tout le monde doit manger un quart de poulet aujourd'hui avec du riz et de haricots. Et nos remerciements vont tout droit au chef de l'État en même temps. Le directeur de ce centre pénitentiaire s'est dit être un père éducateur et non un agresseur. Merci beaucoup Myrthe Ekouba. On va passer à la page rétrospective de la semaine finissante. Je vous propose de suivre les principales informations. D'abord le lundi, l'homélie du cardinal pour la Noël 2016 suscitait beaucoup de réactions à la Ligue des jeunes du PPRD. Le message du cardinal prêtait à confusion entre message politique et message évangélique. Patrick Kanga semblait ne pas se situer. Je vous propose de le suivre dans ce reportage.
Pour ceux qui veulent se maintenir au pouvoir. À la Ligue des jeunes du PPRD, on espère fermement à une signature d'accord le 30 novembre prochain au centre interdiocésain. Au PPRD, on se dit qu'il y a déjà un accord qui existe. Ce qui se passe à la SENCO, c'est par rapport à cela. Donc, voir, conformément à l'article 24 de l'accord politique qui a été signé à la cité de l'UA, voir quelles sont les propositions additives qui peuvent provenir du rassemblement pour que nous ayons un consensus plus élargi sur l'entendement électoral. Parce qu'il est question là d'une problématique électorale et non d'une problématique institutionnelle. Donc, on se dit être positif, optimiste par rapport à ce que nous ayons un accord ou des propositions additives qui pourraient donner un consensus plus élargi censé nous conduire vers des élections apaisées. Pour le président de la Ligue des jeunes, Patrick Kanga, le mélie du cardinal prête à confusion entre un message politique et un message d'évangile. Ben, c'est un message mi-fugue, mi-raisin. On ne sait pas si c'est un message évangélique ou si c'est un message politique. Mais nous, on ne se sent pas concernés par ce message, d'autant plus que les institutions de la Troisième République telles que ça se présente aujourd'hui sont des institutions qui sont tributaires de la volonté populaire. Et si jusqu'à aujourd'hui, il est président de la République, c'est parce que la Constitution qui nous régit actuellement prévoit qu'il en soit ainsi. Ce ne sont pas les armes qui le maintiennent au pouvoir. Et au moment venu, la majorité, nous allons nous déployer pour rester au pouvoir. Et nous allons rester au pouvoir à travers les élections parce que nous avons un programme. Ce message est peut-être plus indiqué pour ceux qui veulent accéder au pouvoir par la rue, par l'insurrection, par les violences. Ce message est adressé à ceux qui fomentent matin, midi et soir des mécanismes violents, des mécanismes inconstitutionnels pour remplacer le président Joseph Kabila. Je crois que le message du cardinal Mosengo s'adresse plus à ceux-là qu'à nous, parce que nous, on est démocrates et on ne compte que sur le peuple pour se maintenir et pour être au pouvoir. L'espoir est permis, c'est la mission des Nations Unies pour la stabilisation de la République démocratique du Congo qui réagissait sur les attaques des présumés ADF le jour de Noël à Beni dans le Nord Kivu qui le disait. La MONUSCO condamnait ces massacres sanglants. Pour vaincre ce mal, la mission onusienne demande la détermination et la conjugaison des efforts entre forces de la MONUSCO et des FARDC, mais également la population et à l'Assemblée nationale. On avait adopté le projet de loi portant ouverture des crédits provisoires mardi sur les antennes de Numérica TV. C'est le ministre d'État en charge du budget qui a présenté à l'Assemblée nationale le projet de loi portant ouverture des crédits provisoires. Ces projets de loi adoptés par les députés nationaux, moyennant un amendement, permettra au nouveau gouvernement d'assurer le fonctionnement minimum et régulier des services publics pour la période allant du 1er au 31 janvier 2017. Il s'agit d'un exercice normal dans la gestion de l'État. Jusque-là, vous le savez tous, le projet de budget 2017 a été déposé, mais le gouvernement qui l'avait préparé n'a pas pu le faire voter au niveau de le défendre au niveau de l'Assemblée nationale. Et pour ne pas connaître une rupture préjudiciable dans le fonctionnement normal de l'État, nous avons préparé ce projet de loi portant ouverture de crédits provisoires pour le mois de janvier 2017 et continuer avec l'examen du projet de loi de budget pour l'exercice 2017 qui avait déjà été déposé ici. C'est pour gagner du temps et ne pas connaître une rupture. Donc, nous ne pouvons que nous réjouir de ce vote qui vient de se passer. Le montant exact, il s'agit du 12e, tout simplement, du budget 2016 qui était de 6,697 milliards, quelque chose comme ça, des milliards de francs congolais. Sur 338 députés, 335 ont voté pour ces projets de loi qui a été envoyé à la Chambre haute du Parlement pour une seconde délibération. Depuis de nombreux jours, Beni pur, l'hémorragie est loin d'être arrêtée. Dimanche de Noël, la ville a compté plus de 20 morts dans une attaque orchestrée par les présumés ADF. Cet énième égorgement pince les cœurs pour la MONUSCO,
la coupe est pleine et nécessite l'engagement et la détermination afin de parvenir à vaincre les rebelles. Cette situation est inacceptable. Ce sont des massacres indiscriminés contre des populations civiles paisibles qui étaient en train de célébrer justement ces fêtes de Noël. Il ne s'agit pas simplement d'une question qui repose entièrement sur les épaules des FRDC, ni de la MONUSCO, ni simplement de la population locale de ces territoires. Il s'agit de l'implication et de la détermination de tous pour réussir à vaincre, à combattre de manière beaucoup plus efficace ces forces négatives que constitue particulièrement l'ADF qui, comme vous le savez, est un groupe criminel qui ne cesse de semer la désolation dans ce territoire. Selon le porte-parole de la mission, la sécurité est l'affaire de tous. Le colonel Félix Bass balaye d'un revers de la main les accusations d'inefficacité portées contre les casques bleus. Pourtant, il a relevé les défis qui empêchent une bonne opération. Ces attaques-là se font parfois tardives. C'est pour cela que nous continuons à appeler toutes les populations à nous aider. Parce que la sécurité, c'est l'affaire de tous. Et aujourd'hui, la MONUSCO et les FRD sont sur le terrain et essaient de faire le mieux qu'ils peuvent pour sécuriser les populations. Mais vous savez aussi que ce terrain est difficile. Vous savez aussi que la végétation est dense. La rigueur du relief fait qu'il est très difficile d'avoir une mobilité accrue, une mobilité suffisante pour répondre à temps. Le porte-parole de la mission onusienne soutient que dans les causes profondes de ces massacres à répétition résident des intérêts dont les maîtres ne sont pas connus. Il a été prouvé à plusieurs reprises suite aux investigations, suite à certaines actions qui ont été menées par les forces de défense et de sécurité congolaises, mais aussi par les autorités de ce pays, que ce soit au niveau provincial, au niveau territorial qu'au niveau gouvernemental, et qui ont clairement indiqué qu'il y a des intérêts derrière tout ça dans les causes profondes de cette violence. Mercredi dernier, la Commission nationale des droits de l'homme organisait l'atelier d'intégration de l'avis du gouvernement et de la validation de la proposition de loi sur la protection et la responsabilité du défenseur des droits de l'homme en RDC. Reportage. Le but de cet atelier est d'informer les défenseurs des droits de l'homme sur l'avis du gouvernement en rapport avec la proposition de loi relative à leur protection. Au cours de cet atelier, les défenseurs des droits de l'homme réfléchissent sur la façon de formuler une réponse claire et précise sur cette proposition de loi. Comment adapter la proposition de loi en rapport avec les observations du gouvernement ? Et donner les arguments aux sénateurs, enfin, le jour de la présentation lors du débat général, qu'ils soient bien armés pour affronter la plénière du Sénat. Le sénateur Moulaïla Tekissa s'engage à défendre cette proposition de loi à la Chambre haute du Parlement. Nous attendons une contribution positive pour enrichir la proposition de loi afin que ça soit réellement une loi qui protège et qui reconnaît la responsabilité du défenseur des droits de l'homme. Ouvert ce mercredi 28 décembre, l'atelier sur l'intégration de l'avis du gouvernement et validation de la proposition de loi relative à la protection et responsabilité du défenseur des droits de l'homme va se clôturer le vendredi 30 décembre. Et jeudi, les points de vue ne semblaient pas s'accorder à 100% au centre interdiocésain. Toutefois, les délégués restaient positifs quant à un atterrissage en douceur des discussions directes. Le même jour, la Commission nationale des droits de l'homme organisait une journée de réflexion sur les droits de l'homme et l'engagement des hommes pour l'application de la parité homme-femme maintenant et dans la paix pour un développement durable d'ici 2030. À quelques heures de la signature de l'accord, tout le monde s'accorde à dire qu'il y aura atterrissage des discussions, mais des divergences persistent encore. Demain ou après-demain, l'essentiel est que nous ayons un accord. Et je peux vous dire, le diable entre dans nos cœurs en dernière minute. J'ai senti de part et d'autre, que ce soit du côté du Rassemblement, du côté de l'opposition qui était
au dialogue, la majorité de la société civile. J'ai senti que tout le monde essaie de faire des concessions pour que seule la paix triomphe et que le peuple congolais soit vainqueur de ce processus. Tu es pour toi comme la Bible là, ouais. Pour la Bible, il y a des documents où ils ont critiqué. Il y a des documents où bateau, basala bon moindé basali ango. Mais eloko nga na okolo bana oyo biso to sali na banza peuple na biso ba komona ke to sali musalo yesengela ki to sala yango et ce qui est important lelo ezapona ko éviter mugulu ekota na mboka poto kende ensemble na malembe verbe élection. De l'avis des évêques, c'est demain que se clôturent les discussions directes et pour la Bencholé, le cas Diongo n'est pas de nature à contribuer à la décrispation. Ben, je crois que les évêques en ont parlé à qui de droit. Je crois comprendre que le cas de Kyungu, il reste libre, il peut siéger, sauf qu'on lui a levé l'immunité pour des raisons que le procureur général aurait estimées suffisantes. Mais une chose est de lever l'immunité, autre chose est de le traduire en justice. Donc, je crois que c'est là où on peut encore récupérer la situation si les uns les autres sont de bonne foi. Pour le cas Diongo, je crois que là, l'affaire est en justice. Je n'ai pas assez d'éléments pour me prononcer là-dessus, mais c'est dommage que cela arrive en ce moment-ci. Ce n'est pas de nature à décrisper la situation. Entre-temps, les évêques ont rencontré cet avant-midi le président de l'Assemblée nationale et dans l'après-midi, le président de la République. La journée de vendredi était pleine au centre interdiocésain. Les délégués ont débattu jusqu'à proroger le communiqué final initialement prévu à 13 heures plus tard dans la soirée. Et les femmes de CAFCO avaient pris en otage le centre. Elles exigeaient aux délégués la signature de l'accord pour clôturer les pourparlers. Au centre interdiocésain, la journée de vendredi était toute particulière, censée être le dernier jour de travaux de ces pourparlers sous médiation Senko, quai de va-et-vient. Prêtre par-ci, délégué par-là, du bâtiment de la Senko, tous attendaient la fumée blanche apparaître. Nous espérions, nous pensions qu'on allait terminer les travaux à temps, mais bon, vous vous rendez bien compte que nous n'avons pas encore fini. Et le travail, c'est quoi? C'est le toilettage du texte de l'accord définitif et un petit point de divergence sur lequel nous sommes en train de travailler. Encore dans les débats, si pour certains les choses allaient bien, pour d'autres encore, que des scepticismes. Mais nous, on ne peut pas signer un accord partiel. C'est un accord où il n'y a pas d'accord. Nous sommes en train de chercher à remettre le pays dans une situation normale. Et cette situation, ça a été voulu par le gouvernement Kabila. Et nous sommes venus pour remettre la situation à la normale, pour que le pays puisse aller de l'avant. C'est pas facile. Le soir arrivé, il est 20h passé. Pour tous les délégués, direction la grande salle pour le communiqué final. Jamais salement. Qui sera au travail demain? Et puis c'est samedi. Qui sera là? Dans une déclaration faite samedi, une frange de l'opposition refusait de signer l'accord du centre interdiocésain. Jean-Lucien Boussa, porte-parole de la délégation des opposants signataires de l'accord du 18 octobre 2016, affirmait qu'il n'y avait aucune différence entre le travail de la Cité de l'Union africaine et celui de la CENCO. Pour la délégation, l'accord de la CENCO remettait en cause celui de l'Union africaine. Suivez. Nous notons 3-4 choses. La première chose, c'est que, étant donné que le MLC a quitté par ailleurs le dialogue, ou les discussions directes, que l'inclusivité n'est pas de mise. Le compromis politique ou l'accord qui sera signé ne sera pas inclusif.
Telle a été la motivation première de la mission des bons offices des évêques. Deuxièmement, on note la focalisation de l'accord sur la réponse au problème de quelques individus, deux ou trois. L'un doit être nécessairement président du comité de suivi, l'autre doit être nécessairement premier ministre, l'autre encore doit nécessairement revenir au pays. On n'est pas contre que les uns et les autres reviennent au pays. Mais on ne peut pas réduire la crise politique congolaise à la dimension de deux, trois individus. Nous qui sommes allés à la Cité de l'Union africaine, nous avons considéré qu'il fallait trouver une réponse globale, techniquement faisable, politiquement acceptable pour les Congolaises et Congolais, mais pour la nation congolaise. Et non une réponse ou des réponses focalisées sur les intérêts de quelques individus, quels qu'ils soient. Mesdames et messieurs, nous notons aussi que c'est le retour à Ibiza. Si aujourd'hui, finalement, on se rend compte que ceux qui nous ont accusés d'avoir signé avec la majorité étaient devenus la majorité élargie, ceux qui sont en train de démarcher pour prendre la primature en ayant négocié pendant deux jours avec la majorité, ne sont-ils pas maintenant membres de la majorité élargie? Nous considérons que c'est le retour à l'accord de Ibiza, c'est le retour à Venise. Le pays ne peut pas être pris en otage par un groupe d'individus. C'est pourquoi nous avons refusé de suivre les schémas du rassemblement et nous sommes allés au dialogue. Aujourd'hui donc, l'opposition politique, la délégation de l'opposition politique au dialogue annonce à l'opinion publique, tant nationale qu'internationale, que si le compromis politique que proposent les évêques a pour substance la réponse aux problèmes individuels de quelques acteurs politiques, d'une part, et d'autre part, qu'il n'est pas inclusif, nous n'allons pas signer ces compromis ou accords politiques. Je vous remercie. Mukendi, secrétaire général adjoint de l'UDPS, Kibasa Madiba, on va conclure avec vous. Est-ce que cet accord va permettre de baliser le chemin, comme on le disait, vers l'alternance? C'est encore pas clair, trop clair. Parce que, qu'on se le dise aujourd'hui, il y a eu ceux qui ont signé, il y a eu ceux qui n'ont pas signé. Vous venez de suivre les signataires du 18 octobre. Je pense que les politiciens ou le politique, certains politiciens, parce que nous le sommes aussi, certains politiciens doivent faire un effort ou doivent faire montre de leur grandeur d'esprit, cette capacité de mettre tout le monde ensemble et de se dire les choses du pays. Nous devons enlever cet ego-là qui reste dans le chair de certains de nos pères politiciens. D'où il faut plus penser à la population qui souffre. Chers politiciens, chers frères et sœurs, confrères, vous devez savoir qu'au moment où nous sommes en train de chercher à discuter sur des postes, la population est en train de souffrir à Beni, la population manque de l'eau et de l'électricité. À Kintambo, par exemple, il y a de sérieux problèmes, nous avons passé de fêtes affamées. Et ce sont là les vrais problèmes. Donc, essayez de mettre un peu loin vos égos. Alors, si je et vous suis limitez, bien, vous limitez l'esprit ou vous limitez l'avenir du pays dans la distribution de vos postes politiques, ce qui est quand même dangereux pour une nation. Ça veut dire que vous avez, vous, selon vous, fait le bon choix d'adhérer à l'UDPS Kibasa et jusqu'à assumer les fonctions de secrétaire général adjoint. Où se situe finalement le combat de votre parti? Justement, l'UDPS Kibasa reste dans la logique des pères fondateurs qui ont inventé ces grands partis politiques. Vous connaissez l'histoire de l'UDPS, vous êtes journaliste, depuis 1982, et c'était une lutte, le combat pour la démocratie, la liberté, et surtout chercher à ce que la population se retrouve à tout prix, surtout aussi la justice, parce que dans notre pays, on a
ce problème de la justice qui, même à voir ce qui s'est passé hier à la CINCO, vous voyez, il y a des choses qui sont renvoyées dans la commission, dans certaines commissions, il y a des choses qui sont renvoyées à ceci. Vous comprenez que nous avons un sérieux problème de justice dans notre pays. Et la lutte de l'UDPS, quand je parle de l'UDPS, je parle de l'UDPS originelle, je parle de l'UDPS où il y avait co-gestion ou bien qui était gérée par une présidence, et cette UDPS-là a eu une idéologie. Et cette UDPS-là a fait la pluie et le beau temps dans ces pays. Et l'UDPS a balisé le chemin pour la démocratie. Il y a des réalités de l'UDPS que nous nous incarnons aujourd'hui dans l'UDPS qui va ça, que nous voulons encore réincarner et offrir à la population ce combat-là de la liberté. Tout ne doit pas se passer, se résoudre dans la rue, comme dit-on. Il y a la diplomatie, il y a le moyen pacifique pour pouvoir faire valoir ses droits. Et c'est ça le combat de l'UDPS qui bat ça. Et retenez, Madame Rachel, nous sommes le premier jour de l'année 2017. L'UDPS qui bat ça va se mettre en avant pour chercher à briguer ou à pouvoir diriger, mais d'une manière, d'une manière pacifique et surtout électorale. Nous allons défendre notre projet et nous allons défendre tous ceux qui... Vous le savez que le vrai problème pour nous, c'est la population. Ce ne sont pas les postes qui nous intéressent. Si la population nous fait encore une fois confiance, nous serons obligés de travailler sur base de l'idéologie qui a été défendue, mordicus, par ceux qui sont morts aujourd'hui au nom de l'UDPS. Ce moment de discours électoral n'est pas encore arrivé. On vous recevra pour finalement, si vous avez des messages à lancer, au moment opportun. Mais... on va dire que l'opposition a réussi à mettre des garde-fous pour faire respecter la Constitution, notamment pas de nouveau mandat, disons pas un troisième mandat et pas de révision constitutionnelle. Pensez-vous que ça soit vraiment acquis à ce stade? Madame, le microcosme politique est très flou. La météo ne donne pas exactement s'il y aura pluie ou il y aura, quelle situation. Mais ce qui est vrai, nous en demandons à la grandeur de certains d'entre nous, au sens vraiment d'esprit, au sens élevé d'esprit pour pouvoir résoudre le vrai problème de la population, pour pouvoir avoir le souci de ceux qui trêvent. Aujourd'hui, il y a guerre partout. Aujourd'hui, il y a des morts à Boma. Personne n'en parle. Même le média, personne n'en parle. Mais nous tous, nous sommes focalisés vers le poste, ce qui est malheureux. Je pense que nous aussi, nous allons donner notre voix en tant que parti politique pour chercher quand même à orienter les gens à des vrais problèmes de la population au lieu de tergiverser et les rester longtemps à des choses qui vont nous amener nulle part. Donc, nous avons besoin des élections dans ce pays et nous avons besoin de la volonté de tout le monde. Merci beaucoup, Jimmy Mukendi, d'être passé sur les antennes de Numérica Télévision. C'est à moi de vous remercier. Je vais vous demander de conclure en 30 secondes. Nous sommes le premier jour de 2017. Je veux vraiment atterrir pour présenter mes voeux à tous ceux qui nous suivent. Bon, on vous le permet quand même. À tous ceux qui nous suivent, parce que c'est ça mon dernier mot. Le vœu à tous ceux qui nous suivent. Nous voulons dire que nous avons que le Congo comme pays. Et ça ne nous a vraiment pas enchanté de voir ceux qui ont choisi ce pays comme leur deuxième demeure, de nous fuir avant le 19 décembre 2016 et aujourd'hui de voir les Congolais n'est pas marcher tête haute. Et le Congo n'a nous pas avons, brûlé. Non, le Congo n'a pas brûlé et nous avons que ce pays, cherchons à faire bien les choses pour que le Congolais vive dans la paix et surtout le panier de la ménagère soit amélioré parce que nous avons des sérieux problèmes dans ce pays. Alors, premier journal de l'année 2017, permettez-moi au nom de l'administrateur directeur général Kibambi Shintoa ainsi que de madame la présidente du comité spécial de gestion Kiki Kibambi de présenter à vous, mesdames et messieurs, nos voeux les meilleurs et nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 2017, mais également ce communiqué signé Tapi Lutunu, rédacteur en chef de Numérica Télévision.
occasion, à l'occasion du Nouvel An, la rédaction de Numérica TV présente ses voeux les meilleurs à Madame Kiki Kibambi et lui souhaite plein succès pour l'année 2017. Plaise à Dieu de la combler de sagesse et d'intelligence afin de remplir en bonne servante sa mission. Le message est signé, je le disais, Tapi Lutunu. C'était pour moi un réel plaisir d'ouvrir le bal de l'année 2017 sur nos antennes. Je vous retrouve demain à 21h dans le cadre du magazine Noticias. Merci de nous rester fidèles et on va dire très très bonne année à vous, mesdames et messieurs, pour votre fidélité. Très bonne année à tous et mes voeux les meilleurs. Bonsoir.